Venez, venez, avancez, avancez, avancez. Stop, stop, non, non, je suis désolé, la démarche ne va pas du tout. Il faudrait faire un effort afin de vous montrer digne des vêtements qu'on vous a prêtés. Regardez, vous devez marcher comme sur un fil, comme ça. Hein? Oui. Ah. Et vous, vous marchez comme ça, c'est affreux, impensable. Bon, écoutez-moi, il y a un truc. Vous n'avez qu'à tracer une ligne idéale qui sépare l'homme de la femme. Il n'y a plus qu'à marcher dessus, comme ça. C'est ce qui donne à la démarche toute la grâce, la légèreté du merveilleux Albin, n'est-ce pas? Merci, mon chou. De rien, mon chou. Voyons par qui on pourrait commencer, hein? Lui, c'est celui qui semble avoir le plus de disposition. Allez-y, Milan. C'est ça. Pas mal. Plus léger. Plus haut, les mains. Non, 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 je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux vraiment pas. S'il vous plaît, Milan. Non, c'est pas possible. Ça ressemble à quoi, ces vêtements de gonzesse? Mais d'abord, ce ne sont pas des vêtements de gonzesse. Tous les hommes un peu élégants portent ce genre de choses. Et ensuite, si on essaie de vous donner un peu de la grâce qui vous manque, c'est pour votre mission, madame. Il a raison. On a commencé, on va jusqu'au bout. J'ai dit exécution. Je suis un homme marié, moi j'ai deux gosses, je ne peux pas faire ça. Mais c'est un ordre, ne faites pas le con. Vous êtes sur le tableau d'avancement. Arrêtez de faire la mauvaise tête. Allez, tous ensemble, avec moi, sur la même ligne. Demi-tour. En avant. Marche. Nous regardons les hommes quand on les croise. Qu'il est beau. Regardez Milan. Oui, il est doué. Il est peut-être même un peu trop doué.